Bonjour à tous et bonne rentrée. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau programme. C'est le zapping de la basket. Les dernières annonces, les rumeurs les plus folles et les paires qu'on ne voit qu'une fois dans sa vie, voilà ce que je vous réserve chaque semaine. On commence sur les chapeaux de roue avec la star NBA Kevin Durant qui était de passage à Paris il y a quelques jours. La marque Nike en a profité pour sortir une KD6 limitée inspirée par les couleurs du Paris Saint-Germain avec un packaging collector du plus bel effet. Après la sortie de la Jordan 5 Fire Red, la Jordan 5 Trilab 5, qui tire son inspiration du tableau périodique des éléments, est attendue par les sneakers addicts de la planète le 21 septembre. Autant vous dire qu'il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, qu'il faudra jouer des coudes pour espérer la voir. Le mois de septembre est synonyme de rentrée. C'est justement le moment qu'a choisi la marque Adidas pour annoncer le retour de la Adidas Torsion Integral S, son modèle phare des années 90. Nous vous en dirons un peu plus très prochainement. Toujours chez la marque allemande, c'est la Adidas Mutombo qui a fait son retour il y a quelques semaines. Il faut dire que le modèle n'avait pas été réédité depuis 1993, un retour attendu après 20 ans d'absence. Chez Vans, c'est une collab avec Supreme qui est au programme pour cette rentrée, avec un pack comprenant une Skate High et une Era déclinée en 3 coloris, disponible uniquement sur le webshop de Supreme. Si vous aimez la marque ASICS et ses modèles Running Lifestyle, la dernière Gel Light Tree Grey Navy risque de ne pas vous laisser indifférent, à copier de toute urgence. Pour les 40 ans de la marque Timberland, le concept store Colette et la marque Timberland se sont associés pour créer la Timberland 6 Wedge. Elle est disponible en précommande sur le site du concept store parisien. 40 ans pour 40 exemplaires, quoi de plus logique ? Onitsuka Tiger sort une nouvelle édition de son modèle Excalibur, au look rétro et au design original. Elle est dotée d'un confort exceptionnel grâce à son amorti Flex. La Excalibur est disponible en bleu à strip argent ou en blanc cassé à strip bleu et rouge. Elle est notre coup de cœur. La marque Ewing continue de rééditer les colorways OG les plus populaires. Ce sont 3 nouvelles paires qui pointent leur nez pour cette rentrée 2013. 2 Ewing Ward, Mustard et Knix, suivis d'une Ewing 33 High White Gum Sole. Elles seront disponibles en France à partir du 20 septembre chez certains revendeurs. Pour ce mois de septembre, la marque Vans ressort son modèle authentique pour enfants. Souple, confortable et résistante, après avoir fait craquer les plus grands, la Vans Authentique s'attaque au marché des enfants, le nouvel Eldorado des marques. Le coq sportif lance une collection de modèles casual, inspirée par son histoire et son savoir-faire. Ces paires made in Portugal aux tonalités automnales et aux silhouettes sportives sont entièrement en cuir. Elles sont disponibles en exclusivité chez Courir depuis le 1er septembre. Alexander McQueen et la marque Puma collaborent et ça donne la justesse pour femmes. Une paire au code inhabituel. C'est une chaussure en cuir à talons compensés. Alors mesdames, si vous recherchez une sneaker séduisante, fonctionnelle, avec un maximum de confort et de style, c'est la justesse qu'il vous faut. Mesdames, à l'occasion de la Fashion Week printemps-été 2014, Nike a conçu un City Pack spécial composé de 5 paires de Nike Air Revolution Sky High élaborées à partir de matériaux premium. On trouve dans ce City Pack une Nike Air Revolution Sky High New York City, Londres, Tokyo, Milan et Paris. Chaque coloris sortira respectivement dans chaque ville en fonction des dates de la Fashion Week. Une sortie globale est prévue le 26 octobre. Le pack entier sera notamment disponible sur le Nike Store en quantité limitée à ne rater sous aucun prétexte, mesdames. Au vu du succès rencontré par la gamme Flaknik de la marque Nike qui truste le segment du running lifestyle, nous vous laissons découvrir le prochain coloris, Turquoise White Black, qui devrait faire un carton auprès des milliers d'adeptes de la technologie Flaknik. Voilà, c'est tout pour ce premier zapping de la basket. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus de news. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à la pluie et usez vos kicks. Ciao !